Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul action, mais principalement, d'ailleurs il n'y a que ça, de loisirs créatifs, donc plutôt scrap. Donc je vous montre un peu ce que j'ai trouvé. Alors il n'y a pas beaucoup de choses, mais pour moi c'est des nouveautés pour la plupart. Donc, bon, on va commencer par des petits sacs poubelles, voilà, donc ça c'est pour ma poubelle que j'ai dessous, quand je fais mes loisirs créatifs, puisque des fois, quand je fais des découpes et tout, j'ai plein de petits bouts de papier qui passent à travers la grille, du coup j'ai dit, je vais prendre des sacs poubelles, donc ça c'est 89 centimes, et c'est des 20-25 litres, voilà, j'espère que ça va aller, on verra bien. Ensuite, alors, c'est pas des nouveautés, mais je l'ai pris puisque là, j'ai fait un agenda planner. Donc, je vous montre ça. Donc, je me suis amusée, j'en ai fait quelques-uns. Alors, ils sont à vendre, à part celui-là qui est pour ma belle-fille. Donc, voilà. Alors, j'en ai fait avec... un bloc-notes en fait avec des papiers, voilà, il y a un peu de tout, des intercalaires et c'est des papiers pour marquer, voilà, en gros. Voilà. Celui-là, je l'ai fait pour moi, il est encore pas rempli parce que, enfin, pour moi, non, puisque du coup j'ai fait l'autre. Dans la même foulée en fait, j'en ai fait deux. Voilà, donc j'ai fait celui-là avec vous en vidéo, donc là, que je garde, voilà. Et d'ailleurs, je me suis fait des pages lundi, mardi, mercredi, tout ça, avec des engrenages et tout. J'adore, je suis trop contente. Et du coup, celui-là, c'était pour noter. Celui-là, ce sera plutôt agenda, je ne sais pas trop. Voilà. Moi, il manque encore les feuilles, là. Je n'ai pas mis parce que je ne sais pas où je vais. Et en fait, moi, j'ai fait celui-là avec ça. J'en ai un autre à faire, je le ferai avec vous en tuto. Et donc, ça, c'est plutôt un agenda. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, là, j'ai fait une pochette où il y a tout plein d'outils roulants. Là, j'ai fait deux pochettes. Là, on a tous les mois de l'année. Voilà. Donc, ça, c'est un appui planeur. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Un agenda, quoi, en gros. Et je l'ai trouvé très, très beau. Et j'ai fait celui-là aussi. Donc, ça, c'est un notebook. Voilà. Sauf que la différence, c'est que, bon, là, on peut enlever les pages puisque c'est des... Et les remettre. Voilà. Puisque c'est des reliures à 10. J'aime vraiment beaucoup ce système. Et je suis très, très heureuse d'avoir craqué sur cette perfo. Parce que, franchement, c'est que du bonheur. Donc, du coup, là, ça, c'est un notebook, en fait. Un cahier. Voilà. Et donc, on peut y faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, puisque je suis là-dedans, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai craqué sur ceci pour en faire d'autres. Et oui. Oui, oui, voilà. Donc, on va regarder ensemble. Alors, j'ai regardé à peu près vite fait. Hein, je sais pas. Puisqu'il n'était pas ouvert, de toute façon. Donc ça s'appelle les... Paper collection. Et alors, en fait, c'est des papiers fins. Voilà, il y a plusieurs papiers fins. Et après, on a plein de papiers comme ça. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup, ça fait un peu vintage. Voilà, c'est... Alors, ceux-là, ils sont fins. Mais bon, vu qu'on les plastifie et tout, ben, en fait, c'est pas bien grave. Là, c'est plus dur. C'est des cartes. Voilà, j'aime beaucoup. Là, c'est des petites cartes. Bon, voilà. Vous voyez le système, de toute façon, ça c'est pas nouveau. Là, on a des tags, on a de quoi écrire. Enfin, voilà. Du coup, ben, je me suis dit, il y a des autocollants. En fait, c'est les autocollants que j'ai découpés, que j'ai mis dans la petite pochette là. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup. Bon, les coloriages, franchement, ouais, je m'en fiche, mais bon. Donc voilà, pour celui-là, donc ça c'est un vert, il est vert. Il n'y a pas de nom, je regardais. Ah si, ça c'est collection collage.
Ça, c'est collection florale. Alors, celui-là avait l'air très, très, très joli. Donc, on va regarder ça. Donc, pareil, il y a plusieurs papiers là. Alors, ça, c'est des grands papiers. Voilà. Ensuite, hop, ensuite, nous avons plein de papiers fins aussi, comme ça. Alors, celui-là, il est un peu sombre, quand même. Là, je trouve. J'aime pas trop, hein, ça. Voilà, des petites cartes. Il n'est pas terrible, celui-là, finalement. J'aime pas. Des petites fleurs. Là, encore des cartes. Des tags. Des décos. Les stickers. Donc, ça peut être sympa, quoi. Là, les mois. Donc, voilà. C'est pas mal. Et celui-là, donc, qui est collection partie, qui avait l'air sympa aussi. Donc, je vous montre. Là, celui-là, il est dans les bleus. Donc, pareil, il y a plusieurs papiers. Hop. Je vais pas y arriver. Là. En fait, c'était pas prévu hein, que j'aille à Action. Mais... Bon, voilà, là, c'est plutôt sur la fête. J'aime beaucoup. Donc, les cartes. Donc, c'est les mêmes. Hop. Donc, là, il y a du foil et tout. J'aime beaucoup. Les autocollants. Enfin, non, ça, c'est les tags prédécoupés. Donc, il y en a deux feuilles de chaque et les autocollants qui sont très 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 jolis. Les autocollants encore. Et voilà, je l'ai trouvé assez sympa. Donc, celui-là, j'ai pris. Voilà. Je me dis, pour les jeunes, c'est pas mal. Donc, oui. Donc voilà. Hop. Et toujours en fond, on a ceci. Donc, ça, c'est pour les papiers. Alors, après, il y avait des blocs 30-30. Alors, je pense que c'est des nouveaux. Mais alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça fait deux fois que je vois les nouveaux. Et deux fois que je les trouve très moches. Je ne sais pas. Hein, je suis désolée, je ne vais pas me faire des amis. Mais je vous dis ce qu'il en est. Je trouve qu'ils ont vraiment... loupé leurs deux dernières nouvelles collections. Pour ma part, en tout cas, autant je trouve toujours plus ou moins des trucs sympas, notamment pour faire des happy planners ou des bullet journal ou bref, je trouve toujours plus ou moins quelque chose. Autant là, ça fait deux fois, je les trouve pas beaux du tout. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ou ce que vous en pensez. Donc, je suis désolée pour celles qui les trouvent beaux. Hein. Moi, je vous dis ce qu'il en est. Voilà, je trouve qu'ils ont... Ils n'ont pas progressé dans les papiers. Bien au contraire. Voilà, autant ils peuvent faire de magnifiques papiers, autant là, ça fait deux fois qu'ils ne sont pas très beaux. Je sais. Je ne vais pas me faire des amis, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, alors, je n'aime pas les tampons en bois, mais j'ai vraiment craqué sur celui-là. Alors, il y en avait plein. Il y en avait des petits et tout. Bon, alors, moi, j'ai pris celui-là. C'est vrai que j'aime pas trop les tampons en bois. Je suis pas sûre de m'en servir beaucoup. Et je voulais le tester. Et voilà, il est quand même super joli. En fait, je craquais. Voilà. Donc, celui-là. Après, il y en avait plein. Il y avait plusieurs styles, plusieurs formes. Il y en avait à des animaux, il y avait enfin, beaucoup de choses. Bon, moi j'ai pas pris parce que je suis pas sûre de m'en servir après. Donc, oui, je me suis arrêtée chez Cultura. J'ai pris du papier craft. Voilà, donc c'est le Créalia. Désolée, donc voilà. Ensuite, en nouveauté, j'ai trouvé ceci. Alors, ça, je l'ai pris, bien sûr, puisque je m'en sers beaucoup. Alors, non, ce n'est pas pour l'encre, mais je l'ai pris pour les doigts.
à l'intérieur. Non, voilà. Donc, ça, c'est des doigts pour ancrer. Hein, vous savez, je m'en sers beaucoup. Donc, je vais les tester. Alors, ça, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 1,99€. Vous avez les doigts. Il y en a 6, 12, 15 doigts. 3 encres. Bon, ça, les encres. Donc, et nous avons des pochoirs à l'intérieur aussi. Donc, les alphabets, c'est pas mal. Donc, à tester. On fera une vidéo si je peux pour les tester. Je vous donnerai mon avis. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris ceci. Alors, je sais. Hop. Et ça, c'est tout. Non, j'ai pris ces encres-là. Parce que je dois m'entraîner pour un projet, je dois faire des tests. Du coup, bah voilà, j'ai dit je vais les prendre. Donc j'ai pris des couleurs qu'il y avait. Un peu toutes les couleurs. De toute façon, vous verrez un projet. Là, j'ai fait un album avec des encres. Et voilà. Comme j'ai pas le temps et les moyens de m'acheter tout, plein de Distress Oxide et tout ça, du coup, j'ai dit pour tester, ça fera très bien l'affaire. C'est moins de 2€. C'est 2€ et quelques. Donc voilà, comme ça j'ai toutes les couleurs et je suis tranquille. Et pour finir, j'ai pris ceci, donc c'est des dice, des grands dice. Pour moi ils sont nouveaux, après je sais pas, 3,50€ et voilà. Alors il y en avait d'autres, j'ai pas tout pris, j'ai pris le rond parce que ça peut servir, notamment pour des shakers. J'ai pris celui-là pour les tags. J'ai pris celui-là pour les carrés. Ça, je m'en fichais, mais bon, ça y est, c'est déjà. Et ça, c'est pour une amie. Voilà. Donc, c'est très bon. Il y en avait d'autres, plein de trucs. Et puis je crois que ouais, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'était un petit haul vite fait, mais c'était pas prévu. Et puis voilà. Ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que je vous aurai fait découvrir des nouveautés. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.